Salut les Volcaniens, c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Day Night 2. Donc on se retrouve juste après qu'on ait pété le moulin et on doit aller voir Akon. Ah bah non, je croyais que en fait. Non, j'aurais dit. Je vous avais entendu, je voulais vous retrouver plus proche, mais je vous avais entendu ici parce que je croyais qu'il fallait reparler à Barney, mais en fait pas du tout. Du coup, ouais. Gros vent. Mais c'est pas grave, du coup on se retrouve juste après le moulin, comme je vous ai dit, on va voir Akon avec Non, les. t'as pris le truc, du coup, je me suis mangé avant. Ah si, je le prends, tu peux plus le prendre. Bah écoute, il y a l'air. Je pensais que les objets, genre, ils restaient inertes pour les autres. Il y a des cris dans tous les sens. J'ai les sauts en. En. Comment dire? Pas en même temps que les actions, c'est extrêmement perturbant. Du coup, comme je disais, on va retrouver Akon avec les filles qu'on avait vues tout au début de l'aventure. D'ailleurs, il y en a une, c'est une des actrices de. Elle jouait dans les séries Marvel sur Netflix. Je crois qu'elle jouait dans d'autres trucs, mais je sais plus quoi. D'ailleurs, normalement, toutes les séries Marvel elles sont arrêtées et sont retirées Netflix. Ouais, 100% elles vont arriver. Oh, elles vont Et sur arriver Disney. sur Disney, et puis hop, petite liaison, tu connais. Bon, bah, ce serait logique, hein. Enfin, en même De toute temps, ils façon, auraient trop de Marvel. ils ont le droit de Marvel. Daredevil est déjà apparu dans Spider-Man. Le fils qui est déjà apparu dans. Hawkeye. Ok. Donc au bout d'un moment. C'est quoi les petites musiques dans toi? Je sais même pas elles habitaient où les filles, on s'y était même plus rendu depuis le début du jeu. C'est quoi les Alors. filles? C'est les deux filles que tu donnes de la lavande là? Non, les toutes premières filles qu'on avait vues avec leur garage ou je sais pas quoi. Ouais, si je me rappelle de cette vue, c'est quand on avait commencé le jeu justement. Autant de toi, tu vois. J'ai cru qu'il allait y avoir un gros piège. Quand Dana a appris que tu venais, elle a pris Sarah et s'est tirée. On dirait qu'elle tombe pas trop à la bonne. Où est-ce qu'on est? Wow. Tu calmes. Elle lui a tiré dans le cœur. Laisse-moi regarder ça. Montre-moi, je vais t'aider. Cupidon. Tu vas t'en tirer dès que tu vas. C'est quoi ça? La blessure du Lazare? Alors c'est toi qui as tué Lucas. Sans toi, America, il aura fallu quelques secondes pour finir le boulot. Ah, même s'il était plus fort. Ah, qu'est-ce que tu racontes, putain? Ah, je vais pas dire le contraire. Alors t'as découpé ce tatouage et tu l'as collé sur Barney. Ah, Walls, c'est lui qui a donné l'ordre. Tu bosses avec Walls et tu m'as rien dit? Espèce de sac à merde. Non, t'as pas bien pigé. Walls m'aurait tué comme il a tué Dylan. Et tous ceux qui le contredisent, t'es mort, mec. Le faux. Pourquoi? Tu sais que c'est lui qui m'a torturé dans le passé. C'est pour te protéger que je te l'ai pas dit. Et si tu découvrais quelque chose à propos de ta sœur, Waltz va te tuer. Où est-ce qu'il est? Où est Waltz? Je suis censé te retrouver sur le site de voiture, dans le tunnel du GRE. Je suis mort ici, tu te fiches, putain. Ils vont te buter. Tu me laisses? Tu me laisses maintenant? On le flag. Tu le flagues, ouais. Allez, hop, c'est dégagé. T'auras ce que tu mérites. Celui Allez, let's go. Oh, t'aurais voulu quoi? T'aurais voulu l'aider? Bah, je sais pas, parce que. Il y a des raisons. Non, mais je le sentais mal. Je l'avais dit depuis le début. En plus, justement, j'en parlais à Tommy, que je lui disais que c'était. J'étais sûr que c'était lui qui l'avait tué. Mais. En même temps, tu vois, il dit ouais, il m'aurait tué, etc. Du coup, je sais pas s'il était un peu contraint ou pas. Ouais, mais même à cause de ça, ça crée des guerres, ça crée des tensions entre les deux. Donc, du coup, il y a des morts et tout à cause Ouais. de lui. Il s'est fait enculer sur la piste de l'ennemi. Allez hop. Oh, j'ai une arme. Ah, niveau de compétence. Moi, je vais mettre ça. Parade. Pas de parfaite, j'ai jamais mis ça. Non, non. Et tu me dis ça que maintenant.
Quelle pute. Tu sais, ça fait 48 missions qu'on peut faire son truc, son bordel et... Ah bon, mais du coup, t'es... Eh, attends, le tunnel là qui parle. Ah. Coucou. C'est le fameux tunnel que tu me disais. Je suis persuadé que c'est ça. Parce que je me rappelle que j'avais longé la zone infectée, là, toujours la longe, et on était à un peu un endroit de forêt. Il y avait une sorte de micro-base militaire, donc s'il y a ça, bah c'est ça. Bah non, si c'est ça, c'est là. Ouais, bah en fait, je m'étais juste baladé un peu trop loin. Bon bah du coup, je sais comment rentrer, hein. Donc je l'ai fait hors vidéo. Et justement, t'as vu, je t'avais dit, il y a un générateur, j'arrivais pas à l'allumer. Bon du coup... Bah ouais. Quoi, y a un boss ou je rêve? Non, c'est un bouton. Ça a pas marché, je suis sûr. C'est évidemment. Je dois trouver un autre moyen. Et ben, le moyen, il est déjà tout trouvé. Hop. J'ai pas couru assez. Ah, mais non, il y a des planches maintenant, what? Mais non, mais non. Si c'est pas possible de réussir. Il n'y avait pas de planche, moi, quand j'étais là. Et il y avait des bugs, moi je sais que je sautais dans tous les sens. Je sais plus comment j'avais fait, j'avais fait. Oh, je suis couché. What? Moi j'avais fait ça. Ah, ben non, voilà, regarde. Toi, il y a des planches, moi, il n'y avait pas ça. En fait, moi j'avais fait un sorte de micro-bug et j'avais réussi à sauter ici alors que normalement je pouvais pas. Parce que j'avais essayé plein de fois et j'avais pas réussi. J'étais trop loin. Mais du coup, moi j'avais fait le tour par là, en me demandant si c'était un chemin, et puis j'avais découvert que j'avais pu passer. Voilà. Non. Oula. C'est pas subtil. Il y a un cadavre qui était pas là de base. Ah, tu rampes là? Ouais, totalement. Oh, merde, je me suis foiré quoi. Ah bah non, on peut passer par ici. Bah non, c'est que totalement fait exprès, non? Ah, c'est... Non, je l'ai fait une fois. Et voilà, c'est ça le fameux chemin. En plus, je comprenais pas, je trouvais ça bizarre parce que le chemin... il est totalement hors map, quand tu regardes. Et il y avait un zombie ici, ouais, voilà, ce zombie-là. C'était le seul zombie qu'il y avait et je me suis dit, c'est pas du hors map vu qu'il y a un zombie. Et vu qu'en plus tu peux fouiller des trucs, donc je m'étais dit c'est bizarre, je comprends pas. Et puis j'avais essayé d'aller de l'autre côté du tunnel, mais j'avais pas réussi. Et il y avait une porte verrouillée, et justement il fallait le générateur. C'est ça alors, on peut chercher plus loin. En fait, c'était totalement l'histoire que j'ai fait trop tôt. Putain, je l'avais dit à Con, je le sentais mal. Au début, je lui ai dit à propos de la clé, mais en même temps. De toute façon, t'étais obligé de lui dire à propos de la clé, parce que la clé tu lui as montré. Mais encore. Mais c'était bizarre. Il va falloir activer les générateurs parce qu'il y avait une porte fermée. Regarde-moi, il y a un bâtiment, on avait pu aller. Quand tu suis les câbles, moi il rentrait dans ce bâtiment là normalement. Et dans ce bâtiment là, tu peux rentrer par en haut. Et là, il y a une porte, mec. Là, ici, regarde, viens ici. Il y a une porte. Mais non, tu peux pas l'ouvrir. Je sais pas, ils disent que tous les jours doivent être là. C'est normal, c'est toi qui dois être là. La porte, justement, j'ai essayé de l'ouvrir. Oh. Ouais, c'était sûr qu'elle allait avoir un boss dedans. Alors toi, t'as un gros bruit de zombie et tu vas t'approcher de la porte. Oh, j'ai il explose le bunker là. Oui. Là, il aurait tellement pu nous bouffer en 30 secondes. Mais il attend qu'on reconstruise évidemment. C'est quoi ce truc? Je sais pas. C'est un bélier. Il a l'air complètement attardé par contre. Hein. Ouais, il est tout petit. Je trouve il est hyper mince, mais c'est un bélier. What? Ok, il avait disparu. Oh, mais il est hyper résistant.
Ok, il faut frapper dans le dos. Ok, il pue la merde. Bon, du coup, on va profiter pour regarder ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est la fameuse porte, du coup. Il y a quoi dedans? Voilà, on va récupérer ce qu'on peut. Et du coup, notre porte... Ah bah non, regarde, notre porte, on peut encore y accéder. Et regarde, là, c'est écrit quoi? Pas d'énergie. Donc, faudra peut-être d'abord faire ça. Allez, fais ton électricien. Yeah. Ce zombie faisait un peu pitié, quand même. Je te jure. Genre, il était là, il te fonce dessus. Mais il est tout mince, et puis tu dois le frapper dans le dos comparé au gros qu'on avait avant, là. Je sais pas. Non, mais je pense que le molotov, il avait le taf. Ouais, même dans le dos, j'aurais frappé simplement. Pourquoi c'est laissé entouré? Pourquoi est-ce que Waltz aurait fait tuer le gars? Pour affaiblir les pacificateurs, vous montez les uns contre les autres, semer le chaos, je sais pas. Putain, je hais la politique. Aiden, t'as choisi le mauvais camp. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Comment il meurt? C'est quoi ce bordel? Allez, occupe-toi de la porte. Ce qu'on a réussi. Tais-toi. Je t'avais prévenu, Ethan. Il n'y a plus d'électricité. Faut qu'on couvre la boîte à fusil. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui l'a éteinte? D'après toi. Tu vas faire le mal à moi. Je disais juste. Regarde comment il fait le mal, il me dégoûte. Tu peux pas t'échapper de toute façon. Ok, cherche la boîte à fusible. Il doit sûrement y avoir une salle technique pas loin. Tu veux pas t'échapper, on va te buter, mais cherche la boîte à fusible. C'est un labyrinthe. Et si Walt se cache ici, il a forcément laissé une trace, comme toutes les limaces. On fait équipe avec eux, mais à moitié. Rien qui va. Bon, du coup, là-bas, j'avais vu un truc d'énergie, donc je suppose qu'il y a un truc, là. Non, pas d'énergie. Non, mais pourquoi l'autre porte, il faut y aller, c'est ce que t'avais dit. Du coup, let's go. Il y a un coffre, ici. Ah, t'as vu, regarde, c'est fermé. Ouais, lui, je l'avais déjà crocheté, aussi. Quand j'étais en solo. T'as vu que j'avais ouvert un coffre de voiture de flic? Juste derrière. Non. Des trucs bien dedans. Je sais plus. Ça me rote, c'est bien les équipements. Alors, où est-on? Ouais, plus encore. J'ai des griffes, on dirait que c'est les griffes du commandant. Mais pourquoi je peux pas? L'équipement a pas fonctionné depuis 15 ans. Continue de chercher. Et espérons que le court-circuit ne vienne pas tard. Oh what? Tu t'es foiré? Non, je suis tombé dans l'eau, mais il y a un chemin dans l'eau. Le cordon est arraché. T'as vu que tu devais allumer le truc? Ouais, mais j'étais en train de fouiller d'abord. Ça, on le prend. Le sens des possibilités. Chemin dans l'eau, il ramène au même endroit, donc c'est bon. Ça, on prend. Il m'a l'air de plus rien avoir de space. Mais nous, chemin dans l'eau, ici. Hop, ouais. Je sais pas s'il y a un truc dans l'eau après, mais... Celui qui a pu franchir cet obstacle. Il n'y a pas l'air. C'est un con. Il est revenu à la vie. Ouais, bah d'ici là qu'il y a un truc dans l'eau quand même. Ah, t'as trouvé un autre chemin.
Ah oui. Merde, non, je crois que c'était dans l'eau. Fuck. Tiens, je t'ouvre, hein, je t'ouvre. T'es passé par où? Ah ok, j'avais pas vu. Il y a des trucs ici. Attends. Attends. Un whisky. Des pots. Whisky coco. Whisky coca sans coca. Ok. Ah, il y avait une boîte aussi. Il n'y a rien d'autre. J'ai vu encore une autre boîte. Un autre coffre, du moins. Pour mourir, lui. C'est quoi cette fixation sur sa mort? Alors, ton nouveau rôle te plaît? Nouveau statut, nouveau défi, nouvelle possibilité. Est-ce que je mériterais pas un petit merci pour tout ça? C'est bien tenté, mais arrête tes conneries. Et peur les menottes! Content de te voir parmi nous. La ferme, Rose! Maintenant, rends-moi ce que tu m'as volé. Prends-moi la clé, mon garçon, ou vous mourrez tous. Merde. Quoi? Wesh. Et frère, ça... Mais what? Shaolin Muzang ou quoi? Mais what the fuck? What? Je m'attendais à tout sauf ça. Fin du jeu. Le jeune garçon voudrait se faire passer pour un homme, mais ce n'est pas encore un homme. En fait, c'est bien, mais si nous prend la clé, on n'aura plus moyen d'avoir d'inhibiteur. Non, les parachutes, pas les inhibiteurs. Si, les inhibiteurs. Ah non, les inhibiteurs, non, c'est vrai. Moi je sais pas ce que son le traitement du virus en mode arme militaire il a fonctionné sur lui, comme par hasard. N'empêche le mec il nous a vu à travers une grille d'aération, du moins il s'est rappelé de notre tête et il a su qu'on était dans cette ville, etc. Ah, c'est le nouveau. Néronega, ouais. J'avais déjà affronté, moi. Je suis nouveau l'artiste. Bon, c'était un demi sur un, 9 et 2. J'ai affronté un mec qui s'appelait Voyou. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, ça se transforme en zombie. Oh, c'est trop bien. Non, on a le pouvoir qu'il avait tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est le pouvoir qu'il avait, mais c'est en mode zombie un peu. C'est ce qu'on a eu une fois, tu te rappelles, qu'on a mis un inhibiteur exprès. Pas un inhibiteur, mais un collier, là. Ah, un bracelet. Ouais. On avait pu one-shot tout le monde. C'est vous, elle me dégoûte. Allez, c'est galop. Oh, du coup, let's go la deuxième ville. Ça y est, Waltz. J'arrive. Ok, il veut encore se battre contre lui alors qu'il s'est fait défoncer à 2 secondes. Bon, après, peut-être qu'on aura les mêmes pouvoirs que lui, mais... J'ai foiré. Oh, j'ai foiré. Bah, adieu. Moi, j'ai cru que j'allais tomber. Bah, moi, je suis tombé. Après, chute, what? J'ai eu un trophée. Ouais, comment je fais? Trouver du notaire combiné de moi.
10 914. Ah ouais, ok, ouais, je sais quoi. C'est-à-dire que tu tombes trop souvent. Je suis mort. Tu l'as pas déjà vu ? Non. Ne pas toucher les zones radioactives. Radioactivement. On suit l'autoroute. Putain, bah ouais, heureusement qu'on augmente notre endurance. Je suis sûr que ça, c'est des parties, tu vois. Genre, tu veux continuer dans l'histoire, et si t'as pas pris assez d'inhibiteurs, bah t'es coincé. Parce que là, moi, déjà, mon endurance a été bien haute, et j'ai failli pas passer. Donc ça me paraît bizarre. Comment est-ce qu'on fait ici? Comme ça, je suppose. Oula, ce que j'ai fait, je sentais totalement moyen. Est-ce que tu arrives à me rejoindre? T'es loin déjà. Ouais, j'ai vu 173 mètres. Ouais, moi j'ai perdu plein de temps à cause de... À cause de ta chute, là. C'est où le truc de l'endurance? C'est une tyrolienne. Vas-y, y a du périmé partout, là. Faut pas que je touche. Du coup... T'es lourd le chemin. Non. T'as quand tombé. Mais c'est trop, franchement c'est trop. Mais je suis sur la tyrolienne, j'appuie sur R1 et tout et... Oh ça me casse les couilles, hein. C'est vraiment un jeu à la con. T'appuies sur R1 et quoi? Ouais bah je fais comment après, c'est des marrants. Hein. Et bah ouais, ça me fait tomber. Non parce qu'en plus faut marcher donc bah faut avancer à force du bois. Débordement. Il y a des trucs par contre je les comprends moins. Hein. What? Moi je suis descendu en bas. Ouais je recommence depuis le début, alors j'attends la réparation. Sérieux? S'il parle le chemin. Moi je suis en bas du... de l'autoroute encore, je sais pas si je suis au bon endroit. Bah écoute, meurs pas parce que tu vas recommencer. Ah, je pense que si, je pense que je suis au bon endroit parce que je pouvais pas atteindre l'autre côté. Ma question maintenant c'est où je dois aller. Parce que l'autre partie de la ville elle est par là donc on doit aller où. Oui. Je pense que je dois aller. Attendez quoi? Bon, les si on est d'accord, il n'y a rien donc. Bon, faut que je fasse le tour par là, mais par là je peux pas, si. Parce qu'en fait, je suis arrivé à l'autre bout, tu vois. Devant une nouvelle porte de tunnel. Je vois qu'il y a je vois même qu'il y a un zombie hurleur de l'autre côté. Je suis loin. Voilà, la question c'est comment on fait pour y accéder maintenant. Parce que par là, on est d'accord, ça me transforme. Oh là là. En fait, je regardais si on pouvait pas accéder par le haut, mais pas du tout. Mais what? Ah merde, en fait j'ai compris pourquoi. J'ai dépassé le point. Oh. les gens ils ont dû me traiter en même temps. Moi de base je suivais l'autoroute, mais en fait l'autoroute normalement elle s'est... Ah merde, elle s'est divisée en deux. Et genre moi j'ai pas suivi les deux. Ah bah tant pis. Là je me bats dans l'infection. T'es mort? Pas encore. Ah si, là si. Bah tu dois recommencer depuis le début mec hein. Oh.
c'était horrible. En même temps, j'ai pas vu que l'autoroute elle se divise en deux, moi je l'ai suivi. Où est-ce que ça nous ferait pas du coup? Oh ouais, bon les gens, ellipse. Bon, nous revoilà les gens. Bah, gros fail, écoutez, hein. Je vous laisserai certainement l'extrait parce que je sais pas si du coup on le fera ou pas. Mais du coup, je suis allé jusqu'au bout pour rien en fait. Vous voyez, quand j'ai sauté sur l'antenne là, en fait, il y a un chemin qui descend et en fait, on le voit au loin qui tourne et qui va jusque là-bas. J'aurais dû suivre le point, mais pour moi, c'était tellement logique de suivre l'autoroute que j'ai cherché à la suivre. Et encore, je me disais à partir de ce point, justement, je m'étais dit c'est bizarre faut bien réfléchir pour pouvoir faire le point, donc c'est chelou quand même. Usine automobile. Découverte. Je viens d'activer un générateur, je sais pas quoi ça sert. Est-ce que tu peux spawn? Je pense pas. Sinon, ouais, Taser n'est pas avec moi parce qu'il a rush kit du coup, parce qu'il est tombé plein de fois. Il a essayé de faire comme moi, il a essayé de suivre l'autoroute, mais du coup, il est tombé. Donc voilà, écoutez. Mais je pense qu'il va bientôt pouvoir se TP, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, ouais, juste. Bah, c'était un gros fail, hein, écoutez. Et j'étais persuadé qu'il fallait suivre l'autoroute. Ah merde, je crois que c'était des zombies, mais là c'est des gardes. Ah. Hop. Écoute, il y a plein de gardes, on va se battre contre eux. Allez, t'as vu que t'es plutôt une bonne. Hein. Sac à merde de côté. Ouais, en plus, si je me bats avec des griffes. D'où est l'artiste? Je m'appelle Wolverine. Il y a plein de mecs en plus. T'as des griffes, toi d'ailleurs. Je sais pas. On dirait les mêmes. En plus, c'est les mêmes griffes que le commandant, genre. C'est moi qui les tue en fait. Ah, ils mettent cher en plus, hein. Ouais, combien? Ouais. Ah, en plus, c'est des griffes en légendaire, c'est pour ça. Il faut 65. Ah, c'est cher quand même. Erreur 404, Dylan, non? T'as pas compris le blague? Non, j'ai pas compris. Tu dis mettre cher. Mais de combien? Oh là 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 là. On va te faire enculer. Ah, là, y'a des trucs pas mal, hein. Des coffres à crocheter et tout. D'ailleurs, les griffes, je m'en sers, mais j'ai même pas regardé s'il y avait pas un mode dessus, faudrait que je regarde. Raté. Voilà, on ouvre ce truc. Bon, du coup, si vous entendez des petits bruits, c'est totalement normal. C'est Taser qui en a eu marre, qui a rush kit et qui, du coup, se fait à manger. Ah, pas du tout, là, je suis en train de m'envoyer en l'air, là. Oh. Un petit peu. Bon, moi j'ai rien dit du coup. Non, en fait, je crois qu'il y a une coquille. Oula, je me demande ce que tu fais. Ah, si, au bout d'un certain temps. Avec une coquille carrément. Ouais, oh, c'est bizarre. Projection, je vais essayer. Je vais essayer de mettre. Je vais mettre des armes plus nulles. Parce que j'aime bien utiliser mes armes fortes directement. Du coup. Un embryon. Ben, c'est totalement ça en plus. Comment ça je l'ai pas fait? Genre tu l'entends fort. Ouais quand même. Et est-ce que tu l'entends fort? C'est extrêmement bizarre. Là. Je suis juste en train de battre des œufs en fait. Ah bah ça c'est ce qu'ils disent tout. Genre moi, je mets des grosses patates de foie ratée. Tu sais, que je les bats. Votre santé est faible. Toi c'est bien, ça va. Le boulot tranquille. Franchement je suis bien dans mon tunnel. Hein. Alors, du coup, bon, là c'est de l'escalade. Et 7, je suis à faire 7 E, 7 attends, E. Quoi? 7 E. Ouais. Genre des E égale M6. Genre des E. Ah ouais, carrément. Ouais. Pourquoi je crois pas ce que je dois faire? Il est horrible ce moment.
Parce que moi je veux bien sauter jusque le bas, mais ça marchera pas. On peut pas grimper sur la voiture, genre. Attendez quoi? Les gens ils doivent péter un cup parce que je comprends rien. Ouais, écoutez. Écoute, non, écoutez, j'ai trouvé une technique. Est-ce que c'est vraiment ce que je devais faire? Je suis 100% sûr que c'était pas ça, mais bon. Est-ce que ça pose réellement un problème après tout? Pas vraiment. Non, genre juste il y avait une voiture et je devais sauter sur un truc, mais je savais pas quoi. Alors c'était peut-être sur le lampadaire que je sautais là. Ce qui se pourrait, mais tant pis. Toi. Bon là j'aurais bien voulu le poignarder avec mes couteaux, mais ça marche toujours pas évidemment. Bizarre que tu arrives pas quand même. Hein. Ouais, je sais pas, pourtant je te jure, je mitraille L2, j'appuie longtemps sur L2, je sais pas, je comprends pas. Genre ouais, je vois pas du tout ce que je peux faire. Là il y a un générateur mais je peux pas m'en servir. Putain, je suis en pleine mission d'infiltration là. Donc toi t'es même pour l'eau. Je suis mort. Y'a qui va. J'activerai bien mon truc pour faire à manger, mais. Le problème c'est que ça va faire du bruit là. Bah écoute, au pire, éteins ton micro pour l'instant. Non bah là je suis en train d'essayer de faire le chemin, écoute, si je meurs, bah je vais éteindre mon micro et. Ça va faire gré hein. Y'a qui va. Ah ouais, je te vois au loin. Ok, là c'est où? C'est à droite ou c'est à gauche que t'étais parti? C'est dès que t'arrives à l'antenne, c'est à droite. Ah, c'est là? Putain, mais on est vraiment des fils de pute quand même. Ah, en même temps, genre depuis tout à l'heure, on monte sur le truc. Et genre d'un coup, il te faut ça et genre. Bah, genre tu le vois, surtout que depuis tout à l'heure, faut rester sur l'autoroute. Genre, moi, du coup, je reste sur l'autoroute, c'est tout. Ah, j'ai quand même bien grimpé, hein. Ouais. Sauf que là, je suis bloqué, je sais pas où je dois aller. Ah, oh, voyage rapide. Ah, c'est pour ça que je sais pas où je dois aller. Ah bah, let's go. Bon bah, j'ai été très efficace, mec. Franchement, ça va. Ouais, j'avoue, franchement, t'as été hyper utile. Wow. Toi, je t'ai déjà tué une fois. Cette fois, ce sera la dernière. On aurait dû le poignarder, au moins il aurait pu bouger. Tu es un de mes... bizarres. Tu es un de mes bizarres. Bien. Avant que je te tue, tu vas pouvoir assister à un beau spectacle. À présent, la boucle est bouclée. Il va péter toute l'ancienne ville. Ce serait drôle, ça. C'est grâce à moi que tu es encore en vie. Que tu es plus fort que les autres. Spécial. Que tu es plus fort que j'aurais jamais pensé. Mais pas aussi fort que moi. Une dernière déclaration. Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur? Ta sœur? Qu'est-ce que t'as fait à Mia? Aiden, tu es vivant. Tout le monde est fort, Brad Zorby. Bah, y a l'air. Ah ouais. What? Il se transforme, on dirait. Oh, mais what? D'où elle revient de l'eau? C'est bon ou c'est les mêmes. Je suis sûr, on va prendre un truc du genre tout pété. Bah, pas tout pété, mais genre. Ouais, merde, j'ai mis un coup dans mon micro. Genre. Ah putain. Je sais pas où moi je cours. Genre ils ont étudié le code Crane, genre qui a réussi à se transformer en zombie, etc. Tu vois. Ouais. Du coup je suis sûr qu'il y aura un truc du genre ils auront réussi à le transformer. Parce que genre la mère tu vois elle a été zombie. Zombifiée mais elle se contrôlait encore, etc. Sauf la nuit. Et du coup je suis sûr qu'ils auront réussi à faire un truc comme ça mais plus poussé.
Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle, surtout? Ah, je vais la foutre le corps, mais si tu me bloques. Tu te cours après, en vrai. Ouais, ah ouais, moi c'est ce que je pensais, mais bon. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Fous-moi le camp. Mais what? Non, mais elle me bloque totalement. Je suis au-dessus d'elle, je suis bloqué. Ah, le problème, moi, c'est qu'ils me disent de lui parler, donc. Ouais. Ils disent pas de lui parler, en plus, il est là, le mec, regarde, il arrive. C'est pas lui parler. Ouais, mais du coup, attends, on avance pas parce que moi je veux bien, mais. Tu peux pas appuyer sur carré à côté d'elle ou quoi? Non, elle est bloquée la meuf. Bah écoutez, je sais pas. Soit on se laisse tuer, soit on essaie d'avancer, j'en sais rien. Bah, ça essaie de se tuer, hein, mec. Ah, en tout cas, on va devoir avancer du coup. C'est chelou encore cette histoire. T'as un molotov ou pas? Non mais là il y a un truc pour sauter dans le vide, dans le périmé. Let's go. Bon écoutez les gens, ce jeu est totalement bugué sur PS4, tout du moins, sur PS5 je sais pas mais... PS3 peut-être. Hein. Ouais PS3 certainement encore plus que PS4. Et PS2 alors là j'ai pas envie d'en parler. Alors verdict? Bah écoute, je vais respawn un peu plus loin donc on va aller voir. Et si c'est pas ça, bah ça va me faire chier parce que je vais devoir quitter le jeu pour le relancer. Bah aller plus là-haut. Et ils me disent d'aller jusqu'au bout du chemin. Donc en fait il était ouais. Juste totalement bugué. Si j'arrive je peux te réanimer sauf si t'es trop loin mais... En attente de réanimation. Bon. Est-ce que t'es loin dans le périmé ou pas? Quand même ouais. Ouais, bah je pense que c'est mort. Est-ce que t'as entendu les petits bip bip là? Ouais. Bah c'est bien. Sache que je suis en train de faire comment manger. Et si tu veux tout savoir, je crois que je suis en train de faire une tortilla. Ouais, justement, j'allais dire, la vraie question c'est de savoir ce que tu peux manger. Mais elle vient vraiment de me fermer la porte, je veux dire. Elle m'a vengé pour toutes les fois. Ça pour ça, il va arriver, on va le voir. Mais non, mais ouais, en fait la meuf elle a fermé la porte derrière elle et j'ai dû défoncer la porte pour pouvoir rentrer genre. La meuf elle te sauve mais qu'à moitié. C'est quoi ça? Oh il est là. Ah faut tuer. Non je pense pas. Ah si, bah il m'a one shot hein. Non faut se barrer justement. Hein? Est-ce qu'il ressemble à un zombie du coup? Non. Mais la meuf, elle est derrière moi et puis d'un coup elle me dépasse, comment elle fait? Mais what? En fait le mec tout au début de l'histoire il aurait pu te choper en 30 secondes. Il aurait pu te choper en 30 secondes? Ouais quand t'étais en train de courir là. Bah elle m'énerve, elle referme les portes derrière elle. C'est bon, à chaque fois on va se taper une cinématique quoi, elle te dit. Bah ouais. C'est quoi ce délire? Chance. C'est hyper mal fait, la meuf à chaque fois elle te dit. On n'a pas le temps. Elle avance. Elle ferme la porte derrière elle. Et puis après tu t'es obligé de défoncer la porte genre. La meuf elle te sauve même au moitié. Tu veux te faire foutre. Ouais c'est ça. Pourquoi je sais pas si t'as vu mais le mec il est là. Ouais il te poursuit. Est-ce qu'il est loin de moi ou pas? Quand même. Hein. Tu dois avoir une vingtaine de mètres d'avance je pense. Tu veux flipper ouais. Le mec il me course alors que toi t'es derrière. Oh ouais, il crush des trucs. Je l'ai rattrapé, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on est déjà passé par là, non? Ah non, pas du tout. Moi aussi, j'ai l'impression, mais regarde, elle a encore fait ça. Je vais l'insulter.
Genre, je suis, juste derrière toi, arrête de fermer la porte, bordel. Bon, cette vidéo aura été longue en course poursuite. Et en parcours en général, what the fuck? Et moi, j'ai plus de vie, je m'attendais pas à ce qu'il y ait pas de zombies comme ça. Eh, hey, je suis où? Est-ce que t'as fait comme moi? Il y a un peu trop de zombies, j'ai sauté dessus. Hein. Moi, j'ai sauté, il y avait un truc, j'ai voulu sauter au-dessus, je sais plus ce que c'était. Fallait passer. T'es passé au milieu? Et bah, en plein dedans, écoute. Je sais pas où il faut aller. Moi, j'ai un écran noir en attente de réanimation. Ah ouais? Ouais. Donc, est-ce que c'est du gameplay intéressant? Je suis pas certain. C'est bon, normalement. Ok, j'aurais pas vu le parcours du coup. J'aurais juste vu les zombies. J'aurais juste vu que j'ai sauté entre deux, mais après, c'est tout. Ouais, je suis sûr qu'il y a un truc à crane ou je sais pas quoi. C'était loin. Maintenant, tu parles. Alors décris-toi. Hayden, et toi? Pourquoi est-ce que tu m'aides? Montre-moi ton bras. Allez, je meurs pas. Pas fort, en tout cas. C'est l'actrice que je parlais d'ailleurs. C'est vrai, mais j'ai rien. Trop bien. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de... C'est juste l'époque, le monde dans lequel on vit. Je dois la retrouver. Avant, tirons-nous d'ici. Je suis pas sûr. Elle doit être généreuse envers les gens qui la guichent. C'est totalement ça. Par contre, ça m'énerve, j'entends Crane en train de crier comme s'il se ferait des dégâts à l'infini. Crane, ouais. Tu vois, c'est un sort de trou comme ça que je suis tombé dans le vide. Le plus gros. C'est ce que je lui ai dit hier. Ah quoi? On veut pas en savoir plus. Alors, let's go. C'est quoi une minute de vidéo là? Ah, je crois 42 minutes de vidéo. Je pense si on arrive vite là dans le truc, tant mieux. Sinon, bah, nickel. Je peux pas vous faire une vidéo non plus. Je vous découvre. Je peux vous faire une vidéo non plus de 50 minutes hein, quand même. Bah, 50 minutes si, mais de une heure quand même pas. On va peut-être éviter. Hop, du coup on va rusher. Je pense que là on est arrivé. J'espère qu'on n'est pas plein de cinématiques. Parfait. M'attendez pas parce que le mec c'est un super saiyan zombie n'empêche. Oh non encore. Oh qu'est-ce que j'aime pas ces trucs là. Des cauchemars sur ce qui nous a fait subir. Tout le temps. C'est pour ça que je veux crever cet enfoiré. Walt, c'est le numéro 3 sur ma liste. Numéro 3? Ça m'énerve, autant Hayden en mode il est en train de mourir. Un jour, quelqu'un écrira un livre là-dessus. Et ce ne sera pas une histoire pour s'endormir. C'est horrible, j'entends faire. T'es sûr qu'il dort? Ah, peut-être, mais pas de la façon que tu penses. Bah ouais. Ou bien de la façon que tu penses, justement. Franchement, c'est super le jet d'eau. C'est vrai? Ouais. C'est pas un jet d'eau, c'est mon pipi. Putain, t'as un sacré débit quand même. Mais elle est où sa pote elle? Et toi, tu t'es enfui. En quelque sorte. C'est horrible le bruit que j'entends. C'est vrai? Bah, je coupe mon micro là. Non, mais pas ce bruit là, c'est Hayden. Ah, le. Ah, je pensais que t'entendais ma plaque. Si tu l'entends, je coupe. Hein. Non, là, on entend rien. Akon? On paraît combien? Akon n'est pas mort. Bah, à un moment, il était mort, on l'a juste abandonné. Hein. Ouais, mais bon.
rencontrer avec ce bâtard d'Akon. Comment tu sais qu'on se connaît? Tu penses que qui lui a tiré dessus quand tu baisais dans la cabane? Alors, hein? C'est quoi ton lien avec lui? T'auras du mal à y croire, mais il m'a sauvé la vie. Quand je suis arrivé en ville, j'ai été infecté. Pas de biomarqueur. Les gens du bazar voulaient me pendre. Tu m'étonnes. Je l'aurais fait, moi aussi. Il m'a sorti de là. Il m'a trouvé un biomarqueur. Je peux pas croire qu'il m'ait dupé. Il a dupé tout le monde. Vraiment tout le monde. Je lui ai fait confiance, moi aussi. Vraiment? Raconte-moi. Peut-être un jour. Mais mon histoire ressemble à la tienne. Il m'a piégé. Et des gens sont morts. Il vaut mieux l'oublier. Ou faire comme moi. Quand tu le verras la prochaine fois, assure-toi d'avoir un arc et tout un tas de flèches. J'aimerais bien avoir un arc, justement. Ok, assez parlé. En route. Mmh. Autorité, ça me plaît. Oh, on va pécho. On va pécho. Ok. Genre, on tombe dans les pommes pile au moment où elle finit de parler. Pas avoir. Genre, on attendit. Putain, je me sens pas bien, je vais m'évanouir, mais vas-y, finis ta phrase. Ok, maintenant c'est bon. Tu jures. Et on va se réveiller dans la ville, on va faire quoi? Dans un lit d'hôpital. Parce qu'on n'irait pas à l'hôpital. Vous n'irez pas à l'hôpital. Ouais, je suis sûr ils vont nous TP à la ville en mode nous a traîné, je sais pas quoi, parce que le chemin était déjà bien assez long. En vrai, je dis pas non. Hein. Non, non plus. Oh non. Ok. La meuf là, n'a rien à branler, elle vient de nous parler 30 secondes. Vas-y, va nous dis toi, je m'en fous. Bon. Ok, il le savait pas. Bon, j'espère qu'on va bientôt arriver parce que j'ai pas envie non plus de durer 35 ans. TP toi, Maurice. Hop. En plus, c'est la phase de gameplay chiant là. Ouais. Et Akon, qu'est-ce qu'il fait sur la liste? Parce qu'il a tué Lucas? J'aime bien ces poupées bleues, les pacificateurs. Mais non, rien à carrer de la mort de Lucas. Alors pourquoi? Alors ça, chérie, c'est une longue histoire pour un autre jour. Eh ben, moi ça me va. Juste que tous ces noms méritent une balle dans la tête. Akon mérite sans doute bien pire. Merde! Ça a toujours été ouvert! Comme par là, on a la clé. Génial! C'est une installation du GRE, hein? Comment t'as eu ça? Ouais, pose j'avoue. Pas de question. Il n'y aura pas eu de victime. D'où est-ce que tu sors ça? Tu connais Ouais, je le connais bien. T'as vu comme par hasard? Comment tu connais Dylan? J'irai pas jusqu'à dire que je le connais. Il m'a contacté parce qu'il voulait fuir la ville. Et Waltz. Il avait peur, il a dû se passer quelque chose. Oui, il a trouvé un truc. Qu'est-ce qu'il aurait pu trouver? J'en sais rien, il était en contact avec Frank, mais quand Dylan a disparu, j'ai plus de nouvelles. Dylan m'a donné ça avant de mourir. Waltz l'a tué. Putain! Il a fini par l'avoir. Et puis, Dylan m'a demandé de trouver une certaine Lawan. Tu la connais? Putain, je me souvenais même plus de ses équipes en plus. Moi non plus, je me souviens même pas qu'il avait dit à faire ça. Quoi? Lawan, c'est moi. Quoi? Dylan voulait contacter Frank. Il a dit que le commandant des pacificateurs, Lucas, avait trouvé quelque chose que Waltz cherchait depuis longtemps. Il voulait quitter la ville pour que Waltz ne mette pas la main dessus. La clé du GRE? C'est moi qui l'ai maintenant. Sans doute. Lucas est mort à cause de ce gadget. Dylan aussi. Alors fais attention. Ou tu seras peut-être le prochain. Super. C'est important. En fait, ils ont tous. Ouais, ils ont tous. Non, non, il est pas mort. Non, mais il est pas en zombie. Si, mais je pense que de temps en temps, il est en zombie de temps en temps, non. Incroyable. Waltz a dû rallumer les générateurs. Waltz? Mais pourquoi? Aucune idée. Qui sait ce que ce taré a en tête? Allez! Oh bah tiens, on sort. On sort de pile l'électricité. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Prenez garde à la marche. Merci de votre attention. Ah, c'est le métro? Ouais.
Par contre, avec tous les trains arrêtés en plein milieu, tu me diras comment le métro il fonctionne. On a 50 minutes de vidéo, j'ai l'impression que c'est encore hyper long. Oh, tu vas faire du cut, hein, non? Je sais pas, mais quête terminée, non, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah bah ouais, je suis chaud parce que... Ouais. Quête terminée, on s'arrête là, au moins c'est nickel. Un nouveau foyer. Savoir, je suis en train d'éplucher des patates. Bah super. Bon bah sur ce les gens, on va se quitter ici parce que là la quête aura déjà, la mission aura déjà bien été assez longue. Je voulais essayer d'aller dans la nouvelle ville mais sinon ça va durer 1h30 et ça va être pas être soutenable. Même si là on a une petite musique calme donc peut-être qu'on est arrivé hein. Mais j'ai pas envie de tester, on verra, on peut redécouvrir ça la prochaine fois. Donc bah j'espère que cette vidéo longue vous aura quand même plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Sur ce on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao tout le monde. Tchuss.